Julien, si on fait une visite pas si virtuelle que ça des différents endroits que nous avons dit très rapidement, qu'est-ce que vous nous proposez comme itinéraire? De découvrir quelques-unes des résultats de nos investigations et des pistes de travail que nous souhaitons explorer dans ce laboratoire des territoires de demain. Avec les différentes thématiques tout d'abord que nous souhaitons explorer, avec, comme l'a dit Madame Durie tout à l'heure, la mise en place d'un système d'information géographique pour mieux connaître, mieux gérer le territoire. Et quelques-unes des autres thématiques qui seront déclinées. La mobilité touristique, tout d'abord, avec des notions comme le géofencing, qui va permettre de diffuser des informations sur des terminaux mobiles en fonction de leur situation géographique. La géolocalisation, bien entendu, des outils de réservation à distance et la mise en place d'outils mobiles de découverte ludique du territoire. La médiation culturelle passera, quant à elle, principalement par le biais d'un centre d'interprétation numérique, qui accueillera un certain nombre d'animations faisant appel à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à la modélisation 3D, éventuellement la reconstitution d'objets en 3D, des travaux sur l'évolution du son et du langage, faisant appel aux technologies de l'information et de la communication, et la mise en place d'une plateforme numérique. La robotique est également un des aspects que nous souhaitons développer. La troisième thématique principale est celle de la protection de l'environnement, qui est une problématique très importante pour la gestion et l'exploitation de sites préhistoriques, notamment en milieu souterrain. Et une quatrième thématique qui sera constituée d'outils transversaux de communication qui interviendront tout au long de la visite, avant la phase de visite, pendant et après. Ils feront appel aux technologies du web participatif, du géotag, éventuellement du ticket interactif. Alors on va passer à quelques exemples concrets de ces investigations. La figure suivante présente un découpage de notre espace en un système de zones que l'on peut comparer à des zones de chalandise en langage commercial. Ce découpage en zones permet d'envisager différents types de supports et de modes de communication auprès du public à travers Internet ou des supports mobiles, téléphone portable, ordinateur de poche, GPS. La mise en place de ce type de système suppose, dans un premier temps, l'installation d'un système d'information géographique pour décrire le territoire, décrire les informations sur le patrimoine et sur le tourisme. Ce système d'information géographique sera couplé à ce que l'on appelle un serveur de géolocalisation qui permettra de suivre les mobiles sur le territoire, de guider éventuellement les utilisateurs et de leur envoyer un certain nombre d'informations relatives aux sites touristiques, aux moyens de communication, aux moyens d'hébergement par exemple. Le but étant de fournir une information pertinente au bon endroit, au bon moment. Concrètement sur le terrain, l'usager reçoit et manipule des informations depuis son support mobile, que ce soit un téléphone portable ou un ordinateur de poche ou un GPS, lui permettant de répondre à un certain nombre de questions. Quels sont les moyens d'hébergement à ma disposition? Qu'y a-t-il autour de moi? Comment puis-je découvrir de manière ludique et interactive le territoire? Il aura également à sa disposition un système de guidage vers les sites touristiques concernés et la possibilité de réserver à distance une plage de visite du site préhistorique. Quelques exemples concernant la médiation culturelle, avec des investigations dans le domaine de la réalité virtuelle, qui peut être soit embarqué sur un outil mobile. À ce moment-là, il s'agit de remplacer en temps réel ce que voit l'ordinateur portable de l'usager, donc un téléphone portable par exemple avec une caméra numérique. Remplacer ce que voit cet objectif par une scène virtuelle en trois dimensions. Dans le domaine de la gestion du patrimoine et de la découverte du patrimoine, eh bien on va pouvoir par exemple donner des hypothèses de restitution archéologique. Les outils de réalité virtuelle peuvent également être mis en place sous forme d'animation dans le centre d'interprétation numérique. C'est ce qu'évoquait Madame Durieux tout à l'heure concernant les travaux du laboratoire Vortex de Toulouse. Donc ça, c'est un premier travail qui a été fait par leurs soins. Il s'agissait de modéliser en trois dimensions une partie de la grotte de Gargasse. Ce modèle est ensuite intégré dans un système informatique
Et à travers un tableau interactif, l'utilisateur va pouvoir se déplacer virtuellement dans la grotte, se focaliser sur les éléments qui l'interpellent. La réalité augmentée est abordée de la même façon. Elle peut être soit embarquée sur un support mobile. À ce moment-là, il s'agit d'intégrer de nouvelles informations dans ce que voit l'usager à travers son téléphone portable. Donc on enrichit la visite du site par l'usager. Elle peut être également présente dans le centre d'interprétation numérique, toujours en utilisant le système du tableau interactif. Donc à ce moment-là, on a recalé des relevés qui avaient été réalisés par des préhistoriens sur les photographies naturelles de la grotte. Et l'utilisateur va tenter de redessiner le contour de ces relevés sur un outil virtuel de numérisation 3D de la grotte, en fait, un modèle 3D de la grotte. Donc il va tenter de redécouvrir, de redessiner via le tableau interactif le contour de ces relevés. Une dernière chose qui nous intéressait dans nos différents travaux, c'est la robotique. Donc, dans ce cas-là, ce serait de la réalisation d'un bras robotisé avec une caméra numérique montée à l'extrémité. Et l'usager, depuis chez lui, depuis son navigateur Internet, va pouvoir réserver une plage de visite de la paroi et donc piloter à distance le bras robotisé avec la caméra pour essayer de découvrir différents points de vue, différentes gravures sur la paroi de la grotte. Parce que sur la grotte de Gargasse, il y a une particularité qui est intéressante, c'est qu'il y a un très grand nombre de gravures sur les parois, mais qui sont très difficiles à appréhender dans le contexte naturel de la grotte. Quelques-unes des pistes de travail que nous souhaitons exploiter. Nous avons eu un contact avec le groupe de travail Anthrope.orl, qui est constitué d'experts pluridisciplinaires, chirurgiens cervico-faciaux, ORL et anthropologues de la communication, qui seraient prêts à mener une étude sur la thématique de la communication pariétale à la communication orale, donc en faisant appel à des outils des technologies de l'information et de la communication. Le second aspect, c'est un aspect événementiel, dont parlait Madame Duré tout à l'heure. Ce serait la création d'une manifestation européenne dédiée à la thématique patrimoine et technologie de l'information et de la communication à l'abbaye de l'Escaladieu, donc abbaye cistercienne, qui est propriété du Conseil général des Hautes-Pyrénées. Elle offre des infrastructures nécessaires et constitue un merveilleux terrain d'application de ces outils. Donc, on peut découvrir une petite vidéo, si elle passe, de l'abbaye. Non. Il n'y a pas le lecteur... Non, mais il n'y a pas le lecteur QuickTime. Bon.